Nicolas de Dianouz, donc je suis directeur associé de We Like Travel, qui est une agence social media, communication, spécialisée dans les médias sociaux et le tourisme. On a une conférence ce matin pendant 3 quarts d'heure sur les tendances social media, le panorama des réseaux sociaux en France et dans le monde, et notamment avec un prisme tourisme et voyage. J'ai pu exposer la visibilité des marques, la performance des marques du secteur du voyage sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, YouTube, avec beaucoup de paradigmes, beaucoup de problématiques à résoudre, de visibilité, de performance, de commercialisation. Dans le tourisme, c'est important. Et puis bien sûr de notoriété et de maîtrise des techniques du community management, de maîtrise de la stratégie des contenus et des performances publicitaires. Le digital aujourd'hui, c'est la première source d'inspiration, de réservation, de fidélisation aussi des voyageurs. Donc ouais, c'est absolument incontournable de TripAdvisor à Facebook, en passant par Booking ou Airbnb. Ce sont des plateformes absolument incontournables qui font partie aujourd'hui du circuit du voyageur. Et les réseaux sociaux sont une étape essentielle, que ce soit avant, pendant et après le voyage. Ce sont des plateformes essentielles pour assurer sa visibilité. Donc c'est vraiment inévitable pour un professionnel du tourisme aujourd'hui d'être présent, actif et si possible efficace sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'événement est très bien organisé, on est extrêmement bien reçus. Je pense que les personnes présentes sont ravies également. C'est très bien qu'une banque soit proche en fait de ses filières. Je connais pour ma part le tourisme, je pense que les professionnels ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de financement. Nous, on a eu ces problématiques-là chez We Like Travel de financement, d'être bien épaulé par des partenaires financiers au moment où on en avait besoin, que ce soit au démarrage mais aussi en accélération. Et je pense que c'est essentiel que le banquier, entre guillemets, l'institution bancaire, comprenne ce que font les opérationnels, ce que font les professionnels et les entrepreneurs, et soit à leur côté pour investir au bon moment et surtout jouer leur rôle de prêt, parce que c'est surtout ça dont on a besoin, c'est souvent de l'argent frais qui va servir à être rentable plus tard. Donc c'est essentiel de s'intéresser à ces métiers-là, et en plus d'organiser un événement comme celui-ci, c'est vraiment bienvenu.